Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur NTD Lactu, votre point sur l'info de ce jeudi 29 février. Avant de commencer, merci de cliquer pour vous abonner et de liker la vidéo. Gabriel va nous expliquer dans un instant pourquoi la fondation Bill Gates serait devenue dingue. D-E-N-G-U-E, -E bien sûr. Mais avant cela, ensemble, faisons un tour de l'actualité. En France, malgré quelques tentatives d'apaisement de la part du gouvernement, des agriculteurs continuent de mener des actions pour protester contre les politiques en vigueur, notamment celles de l'Europe. Des agriculteurs ont manifesté à Mâcon. Ils dénoncent notamment la FNSEA qu'ils considèrent comme trop proche du gouvernement. En plus de cela, des agriculteurs catalans ont bloqué la frontière entre la France et l'Espagne et visiblement, ils n'ont pas l'intention d'être oubliés. Et à l'Assemblée, le gouvernement a été interpellé au sujet d'un possible projet d'installation d'un village saoudien sur le site des Invalides à Paris en prévision des Jeux Olympiques. Cette initiative serait promue par l'Arabie Saoudite pour renforcer son influence internationale. Cependant, une responsable a déclaré qu'aucun accord concret n'a été établi. À noter que les Saoudiens investissent de grosses sommes en France. Et parlons maintenant d'une affaire qui oppose le maire d'un village à un youtubeur. Papacito, le youtubeur connu pour son ton provocateur, fait face à la justice après avoir diffusé des vidéos dans lesquelles il prend la défense d'un paysan et accuse le maire d'un village de corruption. Il est poursuivi pour injure, provocation à la haine et appel à la violence. Le parquet a requis six mois de prison avec sursis et une amende de 3000 euros à la barre. Papacito a expliqué qu'on l'attaquait qu sur la forme plutôt que sur le fond, puisqu'il n'est pas poursuivi pour diffamation après avoir accusé le maire de corruption. Le jugement sera rendu le 26 avril. Et les eurodéputés ont récemment approuvé une réforme du permis de conduire au sein de l'UE, mais sans l'obligation d'un examen médical pour le renouvellement du permis. Cette mesure a suscité des réactions divergentes, en particulier en France où elle a été fortement critiquée. En plus de cela, la réforme inclut une période probatoire de deux ans pour les nouveaux conducteurs avec des limites strictes en matière d'alcool au volant ainsi que l'introduction d'un permis de conduire numérique. En tout cas, pour le moment, pas de visite médicale obligatoire pour le permis de conduire. Et il est temps maintenant pour nous de retrouver Gabriel. Gabriel, c'est à vous. Merci Rémi. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Brésil qui est confronté à une importante crise sanitaire. Après avoir lutté contre le Covid-19, le pays est maintenant aux prises avec une épidémie de dingue, aussi appelée grippe tropicale, et qui prend des proportions alarmantes. Les chiffres parlent d'eux-mêmes plus de 365 000 cas recensés en seulement 5 semaines, soit 4 fois plus que l'année précédente à la même période. Les autorités sont sur le qui-vive et plusieurs États ont déclaré l'état d'urgence sanitaire. La situation est critique et la population est en alerte. Certains experts établissent un lien entre cette flambée épidémique et le changement climatique. Dans ce contexte d'ailleurs, l'année dernière, le Brésil a tenté une approche innovante en lâchant des moustiques génétiquement modifiés pour combattre le fléau. Ce programme avait alors reçu une injection financière de plusieurs millions d'euros, notamment de la part de la Fondation Bill et Melinda Gates. Mais les résultats ne sont pas ceux escomptés. Regardez. Le Brésil est en état d'alerte face à une épidémie de dingue sans précédent. Plus de 512 000 cas ont été signalés depuis le début de l'année et le nombre de décès liés à la maladie est en hausse. La capitale, Brasilia, est particulièrement touchée avec un taux d'incidence alarmant. Les hôpitaux sont débordés et l'armée a dû intervenir en ouvrant un hôpital de campagne pour faire face à l'afflux de patients. Les conditions climatiques, exacerbées par le phénomène El Niño, ont créé un environnement propice à la prolifération de moustiques Aedes aegypti, vecteur de la maladie. En réponse à cette crise, le Programme Mondial contre le Moustique des Nations Unies a lancé une initiative controversée, la libération de milliards de moustiques génétiquement modifiés. Les autorités sanitaires brésiliennes ont alors relâché les moustiques infectés par la bactérie Volbachia censée bloquer l'infection par la dengue dans cinq villes. Moins d'un an après cette action, le nombre de cas de dengue au Brésil n'a pas diminué, mais a au contraire fortement augmenté. Le World Mosquito Programme a reçu une injection de 50 millions de dollars Notamment de la Bill et Melinda Gates Foundation. Cette même fondation a également financé la recherche sur le vaccin contre la dengue. Le vaccin est produit par l'entreprise pharmaceutique japonaise Takeda, qui a elle aussi reçu des dizaines de millions de la fondation Gates. Le gouvernement brésilien a déjà acheté 5 millions de doses. Auparavant, l'entreprise biotechnologique Oxitec, qui avait reçu des milliards de la fondation Gates, avait lâché des moustiques génétiquement modifiés au Brésil en 2019, l'entreprise a été critiquée après que des études ont montré que le projet avait échoué et que les moustiques continuaient à propager le virus de la dengue. Sur place, les autorités sanitaires et les chercheurs sont confrontés à un défi de taille. Comment endiguer cette crise sanitaire qui s'aggrave avec une multiplication par 4 des cas de dengue La libération de moustiques génétiquement modifiés, bien que prometteuse sur le papier, est loin d'avoir eu l'effet escompté. Et la situation est d'autant plus préoccupante que d'après les spécialistes, le pays pourrait faire face à une vague de 4,2 à 5 millions de cas de dengue en 2024. Alors face à cette menace, il est probable qu'une grande partie de la population se tourne vers la vaccination. Takeda, le laboratoire japonais financé par Bill Gates, devrait donc avoir de beaux jours devant lui. En attendant, la communauté internationale observe attentivement car la dengue sévit en zone tropicale et subtropicale. Autrement dit, entre les latitudes de 30 degrés nord et 30 degrés sud, où vivent environ 2,5 milliards d'individus. Ça en fait du monde. Rémi, c'est à vous. Merci Gabriel. Et en Pologne, les agriculteurs ne décolèrent pas. Ils réclament la fin des importations de produits agroalimentaires en provenance d'Ukraine et la révision du pacte vert européen. En conséquence, le Premier ministre polonais Donald Tusk a évoqué la possibilité d'une fermeture temporaire de la frontière aux échanges de marchandises avec l'Ukraine. Il a qualifié les quotas d'importation proposés par Bruxelles et Kiev d'inacceptables pour la Pologne. Et la faible demande de véhicules électriques en Occident a entraîné la fermeture de mines de matériaux pour batteries suite à l'effondrement des prix du lithium, du nickel et du cobalt, les principaux matériaux pour les batteries de ces véhicules. Des entreprises telles Calbemarle, Glencore et BHP ont annoncé des suspensions de production et des réductions d'investissement. Cette tendance pourrait avoir un impact à long terme sur le marché des véhicules électriques. Et en parlant de véhicules électriques, Vladia va nous parler d'un incendie, incendie pardon, dramatique en Chine, en partie lié au système de charge des batteries. Vladia, c'est à vous. On vous écoute. Bonjour à tous, merci Rémi. Au moins 9 incendies se sont déclarés en Chine au cours des 3 derniers jours. La plupart dans des immeubles résidentiels. Une mère a réussi à échapper à un incendie avec son fils, âgé de 1 an en s'enfuyant de leur appartement situé au 20e étage. Elle a expliqué sa situation à NTD. <t 'en> L'un des incendies les plus graves de ces derniers jours s'est déclaré vendredi dernier. Au moins 15 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées. Lorsque l'incendie s'est déclaré vers 4 heures du matin, Lee et son fils dormaient. Lee a dit que tout le premier étage avait été conçu pour recharger les vélos électriques et qu'il comportait des rangées de piles de recharge électrique. Selon la déclaration officielle, ce sont les vélos branchés sur ces ports qui ont provoqué l'incendie. Les flammes ont grimpé jusqu'à 34 étages, touchant plus de 500 résidents. Li et son fils ont évacué les lieux avec d'autres voisins en empruntant un escalier de secours dans l'espoir de se mettre à l'abri. Mais elle a commencé à avoir des vertiges et bien sûr elle devait protéger son fils. Tout son corps était noir de suie. Li ajoute qu'elle a vu certains de ses voisins mourir asphyxiés. Un certain nombre d'incendies dans des immeubles en Chine ont été provoqués par les ports de charge des vélos électriques. Les batteries peuvent facilement surchauffer sous les couches, surtout en hiver. De nombreux appartements chinois sont densément peuplés et très hauts. Donc les incendies peuvent se propager rapidement et il est plus difficile de les éteindre et d'y échapper. Et deux jours seulement après l'incendie de l'immeuble de Li, quatre autres incendies se sont déclarés dans la même journée dans une autre ville, Nanjing, et encore d'autres ailleurs en Chine. Ces incendies s'ajoutent aux graves incendies qui avaient déjà fait rage dans la province méridionale du Guizhou au début du mois. Les images satellites officielles révèlent que près de la moitié de la province a été ravagée par les flammes. Au total, plus de 200 incendies ont éclaté dans le pays en l'espace d'un peu moins de deux semaines. Mais des informations sur ces incendies sont-elles censurées en Chine En recherchant des mots comme incendie sur le plus grand moteur de recherche du pays, Paidu, on trouve étonnamment peu d'informations. Même chose sur les réseaux sociaux chinois. Aujourd'hui, les autorités chinoises essuient de vives critiques de la part des citoyens à propos de l'absence d'informations. Ça me rappelle un sujet que j'avais fait il y a déjà deux ou trois ans, il me semble, sur les inondations en Chine, dans lequel la télévision d'État traiter l'information en présentant les inondations vues du ciel un peu comme un paysage pittoresque pour ne pas dégager entre guillemets d'énergie négative. Sauf que les autorités avaient libéré l'eau de barrage pour déverser le surplus et ça avait créé de nouveaux drames dans les villes et villages en contrebas. Donc même sous la lumière du cochon et vue du ciel, ça reste un crime et c'est quelque chose qui aurait fait scandale en France. On en aurait probablement entendu pendant des années si ça avait été en France, mais c'est la Chine communiste. Merci à tous. À bientôt. À demain. Et merci Rémi. Merci Vladia. Et on conclut cette édition avec un chef de file du romantisme français, j'ai nommé Eugène Delacroix. Il est connu pour être l'un des premiers à présenter des événements contemporains à travers la peinture d'histoire. On le reconnaît à sa palette romantique, son utilisation du mouvement et ses compositions souvent asymétriques. Il est aussi l'un des grands noms de l'orientalisme du 19e siècle. Né dans un milieu favorisé, il reçoit une excellente éducation et fréquente l'atelier du peintre néoclassique Pierre Narcisse Guérin. Des voyages, notamment au Maroc en 1832, influencent sa vision du monde, le poussant à une représentation plus réaliste des cultures orientales. Delacroix est considéré comme le plus grand artiste français de son temps. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 13h pour une nouvelle édition de NTD Lactu. Très bon après-midi, à demain.